Yerushalmi Baba Kama Perek Revi. On continue, là on s'était arrêté. Ça se trouve au Daf Yudet Amud Aleph, au premier mot, dans les éditions de Vilna et Meor et Or. Et dans les autres éditions, il y a toujours le repère sur la marge, Yudet point. Mar Hamit Memar. La Gemara se rapporte ici sur le cas qu'on avait traité auparavant, où il y avait quelques personnes qui ont investi de l'argent et on a volé une partie de la bourse. Une partie de la bourse a été volée et la question était comment calculer le reste, comment partager le reste. On avait dit là-dessus, chacun récupère selon le pourcentage qu'il a investi. Celui qui a mis un tiers récupère un tiers, celui qui a mis deux tiers récupère deux tiers et ainsi de suite. La Gemara demande là-dessus, Ma Hamit Memar, qu'est-ce que tu as vu à dire Begneva Anan Kayamin, qu'il s'agit d'un cas de vol. Que dans un cas de vol, on dira qu'on partage selon ce que chacun investit. O Anan Kayamin, et la Bemishtayer, peut-être que c'est pas sur ça qu'on a dit que chacun récupère selon ce qu'il a investi. Peut-être que il s'agit d'un autre cas, d'un cas où ça n'a pas été volé, mais il reste sur l'argent qui va rester de la bourse, après qu'ils ont fait des affaires avec, peut-être que ça sera partagé selon le pourcentage de ce que chacun investit. Mais dans un vol, dans un cas de vol, on devrait dire non, on devrait dire puisqu'on a un doute de qui ça a été volé, on fait moitié-moitié. Ou bien, comme dit ça c'est l'explication du Pnei Moshe, ou bien comme dit le Gilian Hachas, il dit, on n'est pas en train de juger ici ce qui a été volé. On est en train de juger, parce que c'est pas devant nous. On est en train de juger ici ce qui est resté devant nous. Sur ce qui est resté, nous avons un doute. On devrait faire moitié-moitié sur ce qui est resté. Parce que dans le doute, on partage équitablement et pas chacun selon ce qu'il a investi. Répond la Gemara. Amar Abiasi Berabiboun, Vafilu Temar Begneva, Anan Kayamin. Nous parlons même dans un cas de vol. Dans un cas de vol aussi, on va dire, chacun récupère selon le pourcentage qu'il a investi. Parce que si tu ne dis pas comme ça, si tu commences à dire, peut-être que dans le doute, on devrait faire, on devrait calculer autrement, c'est-à-dire que ce qui a été volé, on devrait considérer que ça a été volé moitié-moitié. On a un doute sur ce qui a été volé, donc on dira moitié de l'un, moitié de l'autre, même si chacun a mis une autre somme. Si tu dis comme ça, dit la Gemara, nimtzat midat adinoka. C'est pas juste. Il se trouve que la justice souffre ici. C'est pas juste. Agat mecha, imagine-toi. Il y en a un qui a mis 50 et l'autre qui a mis 150. Nignevu Khamshin, il y a 50 qui ont été volés. Ishtakar de'aden de Khamishita, de l'homme afsad kloum, il se trouve que celui qui avait mis les 50, il n'aura rien perdu. Pourquoi? Parce qu'il pourra dire à celui des 150, il pourra lui dire, écoute, on ne sait pas de qui les 50 ont été volés, on va selon le Rav. La majorité, c'est ce que toi tu as mis. Donc peut-être que c'est que toi qui as été volé. Les 50, ils viennent de chez toi. On va selon le Rav. Et donc, c'est-à-dire, si tu commences à juger maintenant ce qui a été volé en disant on fait moitié-moitié, peut-être que tu dirais autrement. Tu dirais on devrait aller selon le Rav. Et donc, c'est celui qui a mis les 150 qui va perdre tous les 50. C'est pas possible. C'est pas logique de dire une chose pareille. Donc, on va pas juger comme ça. Il vaut mieux dire que chacun récupère, chacun va souffrir du vol selon le pourcentage qu'il a investi, et donc chacun va récupérer du reste aussi selon ce qu'il a investi. C'est-à-dire que si tu veux dire moitié-moitié du vol, alors il pourrait dire autrement, il pourrait dire on va selon l'Europe. Et comme ça c'est pas logique, alors on va récupérer chacun selon ce qu'il a investi. Tamant Nina. Gemara nous ramène ce qu'on a vu dans notre Mishnah. À Aharon Notel Mané. On avait vu un taureau de 200 qui a encore né un taureau de 200, 212. Le taureau des 212 est mort, il ne vaut plus rien. Le taureau qu'il a encore né, on se partage. Maintenant, il avait encore né plusieurs taureaux un après l'autre. Comment on se partage maintenant? Le dernier, Aharon, le dernier Isaac, Notel Mané, il prend 100, un Mané, 100, la moitié, parce qu'il va dire aux autres, vous êtes tous associés sur le taureau qui m'a encore né, donc je prends tout ce que je mérite, le sang, les sangs que je mérite du Khatinezek, je les récupère du taureau. Veshelefanav, Khamishim Zouz, le Nizak d'avant, il va prendre 50 parce qu'il va dire aux deux premiers, écoutez, vous étiez associé sur le taureau qui m'a encorné, donc on doit se partager comme ça. Moi, je prends la moitié puisque j'étais encorné par vous deux.
Donc moi je prends la moitié et vous l'autre moitié. Veshnaim Arishonim Dinarezab. Les deux premiers prendront chacun 25-25. Ça, c'est ce que la Mishnah avait dit. Rabbi Shmuel Beshem Rabzeira Vechen le Sachar. Rabbi Shmuel, le nom de Rabbi Zeira, il dit de même, quand plusieurs personnes ont investi dans une bourse, ils sont allés faire des affaires avec, ils vont partager les bénéfices, chacun selon ce qu'il a investi. Le même pourcentage. Comme dans notre Mishnah qu'on a dit, chacun il prend selon ce qu'il mérite, ici aussi, chacun prendra selon son mérite, selon ce qu'il a investi. Amar Rabbi aussi, Hala de Rabbi Zeira applique à Hala de Rabbi Elazar. Rabbi aussi dit que cette Halakha de Rabbi Zeira qui dit qu'on va partager les bénéfices aussi, chacun selon son pourcentage, cette Halakha ne va pas comme Rabbi Zeira. Pardon, cette Halakha de Rabbi Zeira ne va pas comme Rabbi Elazar qui avait dit dans le début de la Sugya, dans le cours précédent, on avait ramené Rabbi Elazar qui disait on se partage toujours moitié-moitié, équitablement. Même s'il y en a un qui a plus mis d'argent qu'un autre, on va se partager les bénéfices équitablement, complètement. Et si tu vois que Rabbi Zeira ne dit pas comme ça, il dit chacun selon ce qu'il a investi. Amar Rabbi Mani Kashia Takume Rabbi Udan. Rabbi Mani dit, j'ai dit cette question-là devant Rabbi Udan. Est-ce que donc il se trouve qu'ils sont en marloquette, Rabbi Elazar et Rabbi Zeira? Que selon Rabbi Elazar, on fait moitié-moitié, selon Rabbi Zeira, chacun selon son pourcentage? Amar Lillo. Il m'a dit non, ils sont pas en marloquette. Modé Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, qui avait dit on fait moitié-moitié, il sera d'accord chez Mitnou Benéen, que si il s'était mis d'accord a priori que chacun va récupérer selon ce qu'il a investi, on va donc faire selon ce tenaille-là, ces conditions. Donc chez Zenotel les Fikiso, Zenotel les Fikiso. Chacun va gagner, va prendre selon ce qu'il a investi. Et c'est bien le cas de notre Mishnah, Shvarim Kemutninen, dans le cas des taureaux. C'est comme s'il y avait un accord automatique, que s'il continue à encorner, bien toujours le dernier va récupérer d'abord ce qu'il mérite, et les précédents vont se partager entre eux, chacun selon ce qu'il mérite dans ce taureau-là. Donc le Mazik et le premier Nisak sont associés, et eux deux en face du Nisak suivant, c'est encore une fois moitié-moitié, et ainsi de suite. Et donc Rabbi Elazar sera d'accord s'il y a eu un accord qui a été mis au clair depuis le début. Chazav Amra Kume Rabbi aussi. Il a répété ça devant Rabbi aussi. Amara de Rabbi aussi, il a dit non. Beferush Plige. J'ai entendu clairement qu'ils sont en marloquette. Rabbi Elazar et Rabbi Zeira sont en marloquette et n'essaye pas de les mettre d'accord. Rabbi Elazar Amar Staman Cholkin Beshavé. Alors que Rabbi Elazar a dit même, pas même, Rabbi Elazar a dit quand ils n'ont pas prévu depuis le début le partage, alors ils vont se partager équitablement. Et Rabbi Zeira Amar Staman, Zenot Alefikiso, Vezenot Alefikiso. Et Rabbi Zeira dit, dans un cas comme celui-là où ils n'ont rien prévu depuis le début, eh bien quand ils vont se partager ensuite, chacun va récupérer selon le pourcentage qu'il a investi. Mishnah suivante à la Chabet. Shor Shumuad Lemino Veno Muad Shonomino. Un taureau qui a l'habitude d'encorner son espèce. Et pas les autres espèces. Mouad le Adam, venom mouad le Bema. Ou bien il a l'habitude d'encorner les hommes, les gens, et pas les Behemoth. Mouad le Ktanim, venom mouad le Gdolim. Ou bien il a l'habitude d'encorner les veaux, et pas les vaches. Les bœufs, et pas les bœufs. Donc les petits, et pas les grands. Les mines chez Mouad le Meshalem Nezek Shalem. Pour ceux sur quoi il est mouad, il paye Nezek Shalem, il paye tout. Ou le mine chez le mouad le Meshalem Chati Nezek. Et ceux sur quoi il n'est pas mouad, il payera que la moitié. Amroulif Nera Biouda. On a demandé à Rabbi Yehuda, Areu Mouad le Shabbatot venom Mouad Yomot Achol. Qu'est-ce que tu fais d'un cas où il a l'habitude d'encorner les Shabbatot, mais les jours de Chol il est calme? À Marlène, il leur a dit, eh bien, ici aussi on dira la même chose. Mais Shabbatot Meshalem Nezek Shalem, quand il encorne un Shabbat ensuite, il paye tout le Nezek, ou Vimot Achol Meshalem Chati Nezek. Et les jours de Chol il ne paye que la moitié. Mais Matay ou Tam, depuis quand il sera considéré comme Tam, Meshiach Zorbo Shloshay Mesh Shabbatot, si pendant trois Shabbatot, il n'a pas encorné personne, il n'a rien encorné, donc ici, c'est la preuve qu'il est redevenu Tam, qu'il s'est calmé. Demande à Gemara. On avait parlé du cas où il avait l'habitude d'encorner des gens et pas des behemoths. Donc il était mouad pour les gens et pas pour les behemoths. La Gemara demande, Mikevan Sheharag Adam Echad Eno Mouad, n'est-il pas mouad dès qu'il a tué un homme? Dès qu'il a tué un homme, ça y est, il est condamné à mort ce taureau.
Donc, il n'y a plus de suite à l'histoire. Comment il peut devenir mouad à bout de 3 ans et en arriver à la question est-ce qu'il est mouad pour les behemoth? Répond la Gemara, première réponse. Rav Amar Besharag Shlosha Akum. Il a tué 3 goïm. Donc, on ne le tue pas. Rabbi Yossi Ben Hanina Amar, que chez Radav Shalosh Redifot, il s'agit qu'il allait tuer, il allait encorner des gens, et les gens se sont sauvés. En dernière minute, ils ont été épargnés. Ven Mesha'arin, on évalue Shiesh Beredifaton et Gicha, que s'il avait encorné, il aurait tué. Donc ça, hein, ce sont des exemples d'un taureau qui est mouad pour les gens, et pas pour les behemoth. Et pour autant, il n'a pas été tué. Pourquoi? Parce qu'il a encore né des goïms, ou bien parce qu'il n'a pas, finalement, en dernière minute, il n'a pas tué la personne, mais il devient quand même mouad parce qu'on évalue qu'il aurait pu le faire. Chez Imiata Bayam Arishon, la Gemara pose une nouvelle question maintenant. Ce sont des questions qui ont déjà été traitées dans les parakim précédents dans les Rouchalmi. Chez Imiata Bayam Arishon, Venagar Shvarim. S'il est sorti dimanche, il a encore né des taureaux. Bacheni Venagar Klavim, lundi des chiens. Bacheni Venagar Hazirim, mardi des porcs. Elle est des Shlosha Minin et Shlosha Amim. Quand nous avons ici 3 espèces en 3 jours, Maouchi Asse Shor Mouad, est-ce qu'il devient automatiquement un Shor Mouad pour toutes les espèces, oui ou non? Pas de réponse. Deuxième question. Yatsa Bayam Arishon Venagar. Dimanche, il est sorti, il est encore né. Bacheni Lo Yatsa. Lundi, il n'est pas sorti. Bachelichi Yatsa Venagar Vechoule. Mardi, il est sorti, il est encore né. Est-ce que je veux dire, puisque il est encore né dimanche et mardi, donc c'est la preuve que lundi aussi, il était furieux. Il aurait encore né s'il était sorti, donc il est mouad, ou je dis pas ça. Et on avait vu dans les prakim précédents, la Gemara qui avait comparé ce cas-là à une autre discussion. Yeva biplugta de Ravada barachva ve de Ravuna. Ça va comme la machloka de Ravada et Ravuna. Dites palgun qui sont en discussion à propos d'une zava. Une zava est une femme qui pendant des jours, elle n'est pas censée voir ses règles. Elle a fini déjà les 7 jours de règles. Maintenant, elle doit être propre. Et voici qu'elle a vu un premier jour. Quand elle a vu un premier jour, la Torah dit, elle doit vérifier le lendemain. Si le lendemain elle est propre, elle se trempe au mikvé, elle est Théora. Si le lendemain elle voit une deuxième fois, elle surveille un troisième jour. Si elle est propre le troisième jour, elle se trempe, elle est Théora. Si elle a vu 3 jours d'affilée, elle devient Zavak Dola. Une Zavak Dola, c'est elle qui mine la Torah, il faut compter les 7 jours, les Shivan Ekim, 7 jours de propreté. Et ensuite, elle va se tremper, puis ensuite, elle amène même un corban. Là-dessus, on s'est posé la question. Si maintenant, elle s'était vérifiée le premier et le troisième jour, elle était Tmea. Le jour du milieu, elle s'était pas vérifiée. Comment on va la juger? Est-ce qu'elle est Zava ou elle n'est pas Zava? Les Itpalgun, ils sont en Marlokat là-dessus. Nida Shebadka Tzma Biyom Rishon. Une Nida, ça veut dire ici une Zava, qui s'est vérifiée le premier jour. Parce que Nida de la Torah, c'est quand elle a commencé à voir ses règles. Pendant 7 jours, elle est Nida. Ici, on parle des jours après les règles. Elle a vu le premier jour, Badka Atma Biyom Rishon, Badka Umtsata Tame, elle était Tmea. Bacheni Lo Badka, lundi, elle ne s'est pas vérifiée. Bachlishi, Badka Umtsata Tame, mardi, elle s'est revérifiée, voici qu'elle est Tmea. Qu'est-ce qu'on va dire sur elle? Ravada Barachva Beshem Rav, il dit Nida Vadaï, c'est une vraie Zava. Comme si elle avait vu le deuxième jour aussi. Donc ici aussi, pour le taureau, on dirait qu'il serait Mouad. Ravuna Beshem Rav Amar, Ravuna n'est pas d'accord avec Ravada, il dit non, Rav n'a pas dit comme ce que tu dis en son nom, Rav a dit, Nida Safek, on est en doute, est-ce qu'elle est vraiment considérée comme une Zavak de là, oui ou non. Amar Ravuna, et Ravuna il dit d'ailleurs, moi qui dis ça au nom de Rav, je sais pourquoi Ravada dit autre chose au nom de Rav. Lui, Ravada a ramené au nom de Rav qu'elle est Nida Vadaï, moi je dis au nom de Rav qu'elle est Nida Safek. Là-dessus, Ravuna a dit, Taman avina beresha ou besefa. Moi, j'étais chez Rav au début et à la fin. Ou bem taïta et au milieu. Et donc, 3 fois, Rav a traité cette question-là. Ishtalit le Rav amar safek. La première fois qu'on lui a demandé, elle était mise à dimanche et mardi et lundi, elle n'a pas vérifié. Rav a dit safek. Ishtalat le Rav amar vadaï. Une deuxième fois, Rav a traité cette question-là. Il a dit non, elle est zava gdola. Elle est zava vadaï. Elle est vadaï zava. Chazar ve Amar Safek, puis une troisième fois, ensuite Rav a dit non, en fait, non, c'est un Safek, c'est un doute. Et donc moi, Ravuna, qui ai entendu ce que Rav a dit là-dessus, la première et la troisième fois, je sais que selon Rav, c'est un Safek, c'est un doute. Mais lui, Ravada, il est arrivé à la deuxième fois, ni avant ni après. Il n'a entendu que le Vadaï, il n'a pas entendu le Safek.
Et donc, la Gemara dit, Verav Adam Barachva, le Avataman, il n'était pas là-bas, et la Kadmar Vadaï. Uniquement quand Rav a dit Vadaï, il n'a entendu que ça, mais moi je sais qu'en fait, selon Rav, c'est pas comme ça, c'est un Safek. Donc, par rapport au taureau aussi, ça sera un Safek. Rav Yirmiya Beshem Rav Amar, il chita Rabbi Meir Betama ou Rabbi Yehuda Behoada. La Gemara ici fait allusion à la marloka de Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Comment un taureau devient Mouad et comment il redevient un Tam? Il y avait là-dessus une marloka de Rabbi Meir Rabbi Yehuda que selon Rabbi Yehuda, ça dépend des jours. Il est encore né dimanche, lundi, mardi, il devient Mouad. Il a arrêté mercredi, jeudi, vendredi, il redevient un Tam. Rabbi Meir disait non, ça dépend pas de ça. Ça dépend du nombre de fois. S'il est encore né trois fois, il est Mouad. Et si on le tripote et il fait rien, il est Tam. Sur ça, la Gemara avait dit, la Lacha, elle est comme Rabbi Meir Betama. C'est-à-dire, pour le re-rendre Tam quand il était Mouad, là, il nous faudra qu'il soit tripoté par les enfants sans les encorner. Ou que Rabbi Yehuda Bohada. Pour le rendre Mouad, la Lacha sera comme Rabbi Yehuda qui a dit que ça ne se fait qu'en trois jours. Avinan Tavrin, Memar Maïtama de Rabbi Yehuda. On pensait dire quelle est la raison de Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Dans notre Mishnah à propos de Shabbat, on a dit s'il n'encorne que Shabbat, il a l'habitude d'encorner les Shabbatot. Pour Shabbat, il est Mouad. Pour les jours de Chol, il est Tam. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce taureau pour distinguer entre Shabbat et Chol? Est-ce qu'il fait Kiddush les vendredis soirs pour savoir que c'est Shabbat ou il fait les Chadodis? D'où il sait tout ça? Mais Kevandu Chamelon, le Vushinekin, c'est parce qu'il voit les Shabbatot, il voit les gens qui sont habillés classe, propre. Il sent le changement dans l'ambiance des gens. Et donc, ça le rend fou. Odhu meshane daate. Ça le rend fou et il s'excite, il va encorner. Et c'est pour ça que, donc, s'il a l'habitude d'encorner les Shabbatot, on va dire, ah oui, le prochain Shabbat, s'il encorne, on ne sera pas étonné, on le connaît celui-là. Les Shabbatot, il perd le nord. Et c'est pour ça que, donc, pour le calmer, il faut avoir vu trois Shabbatot qui s'est habitué à voir ce changement sur les gens et qu'il est resté calme. C'est là, on dira, ça y est, il est redevenu tam. Mishnah suivante à la Chagimel. Cherche l'Israël chez Nagar, cherche l'Ekdesh. Le taureau d'un Israël qui a encorné le taureau du Ekdesh, ou le contraire, chez l'Ekdesh chez Nagar, cherche l'Israël, pas tout. Chez Neymar, comme il a dit, cherche Ehu, mais le cherche le Kodesh. La Torah a dit s'il encorné le taureau de son ami, et pas le taureau du Ekdesh. Il n'y a pas de Chiyuv à propos du Ekdesh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Cherche l'Israël chez Nagar, cherche le Goïm, pas tout. Veshel Akum chez Nagar, cherche l'Israël. Ben Tam Ben Mouad, Meshalem Nezek Shalem. Je reprends. Un taureau d'Israël qui encorne les charges chez l'Akoum, le taureau d'un Goy, Patour, il est Patour. Mais si c'est le Goy qui encorne celui du Juif, Meshal Akoum, Shenegar, les charges chez l'Israël, alors Ben Tam Ben Mouad, toujours il payera Meshalem Nezek Shalem. La Gemara vient nous ramener la raison de cette halakha un peu exceptionnelle, qui nous paraît un peu pas juste. Pourquoi le Juif il est Patour quand il encorne le Goy et le Goy il est Khayab complètement quand il encorne le Juif? La Gemara dit là-dessus, Rav Amar, Ra'av Yater Goïm. Akadash Baruch Hu a vu que les Goïm n'ont pas accepté la Torah, n'ont pas reçu la Torah. Et donc, il les a, Yater Goïm, il les a, qu'est-ce que ça veut dire, justement, la Gemara explique, Hetir Mamonam Shel Akum. Il a autorisé l'argent des Goïm. C'est fini. Le Juif qui l'a encorné, il est pas tour. Le Goï qui l'a encorné, il est Chayav. Chizki Amar, deuxième pasouk, Hofia Mehar Paran. C'est écrit, Akadash Baruch Hu a apparu du mont Paran, c'est-à-dire chez les Goïm, Veofi Apanim Keneged Akum. Donc il a montré sa face contre les Goïm à abandonner comme ça leur bien aux Juifs. Rabbi Yossi ben Chanina Amar, Horidan Minirsehen. Rabbi Yossi dit, on apprend ça de la fin du Pasouk, dans Chavakouk, qui dit, dans le Pasouk de Ra'av et Ater Goïm, à la suite du Pasouk, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu les a descendus de leur bien. Rabbi Avraham b'shem Rabbi Yochanan Amar Kedinen, il dit non, au nom de Rabbi Yochanan, on les juge comme eux-mêmes, de même que les goyim ont l'habitude de ne pas distinguer entre Tam et Mouad, nous aussi on va les juger comme ça. S'il encore naît un juif, on va lui dire, bon ben si c'est comme ça, Tam ou Mouad, tu payes tout. Amar Rabbi Ila a dit, Al-Hadai Tamrat, est-ce que c'est sur ça que Rabbi Yochanan a dit, on va les juger comme ce qu'eux-mêmes ont l'habitude de juger? Non, et la Kehada, mais ça s'apporte sur un autre enseignement. Détaner Abria,
Shor shel akum shenegar shor shel akum acher chavero. Un goy qui a encorné un goy. Le taureau d'un goy qui a encorné le taureau d'un goy. Apalpich kibel la vladun bedine Israël. Même s'il va un bedin juif, il leur dit jugez-moi comme ce que vous pensez, comme la Torah des juifs. On lui dira ben tam ben muad meshalem nezek shalem. Peu importe tam ou muad, il payera nezek shalem, il payera tout. Pourquoi? Al-Hadaï Tamrat, c'est sur ça qu'a été ramené l'enseignement de Rabbi Ava ou Beshem Rabbi Yochanan Kedinien. On les juge comme ce qu'eux ont l'habitude de juger, à ne pas distinguer entre Tam et Mouad. C'est comme ça qu'on va le juger. Peu importe Tam ou Mouad, tu lui payes Nezek Shalem. Mais quand un Goy encorne un Juif, c'est pas pour cette raison qu'il est Chayav. Il est Chayav parce qu'un Goy qui encorne un Juif, Minatora, il est Chayav de tout payer. Maaseh Shilach HaMalchut Shnei Tardiotot Ilmod Torah Merabban Gamliel. La Gemara nous raconte ici que les Goyim, le roi des Goyim a envoyé deux ministres apparemment déguisés, c'est pas clair s'ils étaient déguisés ou pas, qui sont allés étudier la Torah chez Rabban Gamliel. Ils voulaient connaître la Torah des Juifs. Velamdu mimenu, ils ont tout appris de chez lui, Mikra, Mishnah, Talmud, Alachot, Vagadot. Ubasaf Amroulo, et quand ils ont quitté Rabban Gamliel, ils lui ont dit, apparemment, à ce moment-là, ils se sont déjà montrés qu'ils étaient. Ils lui ont dit, voilà, « Kol Torah Trem Naum Shubacha » Toute votre Torah, elle est belle, elle est magnifique, aucun problème. « Chutz Mishneh Dvarim Alalu Shatem Omrim » Sauf deux halachot qui ne nous conviennent pas du tout. Vous dites, « Bat Israël otay aled le Goya, le Akum, aval Akum et aledet le Bat Israël » Une juive ne peut pas faire accoucher une Goya, parce qu'elle fait naître un Goy pour la Avodah Zara. Une Goya peut faire accoucher une juive. Bat Israël otanik vna shel akum. Aval akum enika le bat Israël birshuta. Une juive ne peut pas allaiter un bébé goy, parce que finalement il va aller faire avodah zara. Une Goya peut allaiter un bébé juif, du moment qu'il est chez elle, chez la juive, pour surveiller qu'elle ne le tue pas. Et donc ça, cette distinction-là, elle n'est pas juste, disaient ces goyim-là. Pourquoi les juifs, ils peuvent recevoir des goyim et ils ne donnent pas aux goyim? De même, Gzelosh al Israël asur veshel akumutar. Le vol du juif est interdit, le vol du goy est permis. Ça, ils ne pouvaient pas supporter ces deux goyim-là. Botosha Gazar Rabban Gamliel al Gzelat akum shi asur ibn Chilul Hashem. À ce moment-là, Rabban Gamliel a décrété que le vol du goy soit interdit à cause de Chilul Hashem. Est-ce que vous dites que le taureau d'un juif qui encorne le taureau d'un goy, il est patour, et le goy qui encorne le juif, il est chayav? Ça, c'est une halakha aussi qu'on ne peut pas supporter, disait ces deux goyim-là. Mais d'avoir assez enanu modi'in la malchut. Malgré tout, on ne va pas vous dénoncer au roi. Afilouken, malgré tout, ça dit la Gemara. Le matin les soulimé de Tor à des Shachun Kulan. Avant même d'arriver à l'endroit qui s'appelle soulimé de Tor, la montée de Tor, ils avaient déjà oublié toute la Torah. Le Pnei Moshe dit, Minashamaim ayaze. C'était Minashamaim que Kadosh Baruch Hu les a fait tout oublier, de manière à ce que la Torah ne passe pas chez les goyim comme ça.